Salut à tous, c'est Brestois. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Go et Café. Donc juste deux petites choses avant, comme vous le voyez normalement à ma droite là. Il y a un sondage en cours dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. C'est concernant la suite de la série Objectif 5 and Dan sur Fox. Donc pour l'instant c'est assez mitigé, mais je pense qu'on va continuer les parties en évitant de reproduire les vidéos comme la cinquième, comme la dernière qu'il y a eu. Ça m'a pas trop plu, et même moi ça m'a pas trop plu, donc on va éviter de continuer comme ça. Pour l'instant on va faire quelques vidéos de Go et Café pour le reste de la semaine. Donc n'hésitez pas à voter et on continuera cette série la semaine prochaine, tout simplement. Et concernant justement le deuxième point, c'est les vidéos Go et Café. Vous avez vu, cette semaine j'ai publié quotidiennement, donc j'avais un peu plus de temps pour moi. Mais ça va pas continuer, là on va finir cette semaine justement sur quelques vidéos Go et Café, encore une fois. Mais la semaine prochaine on retournera sur le rythme normal de 3 vidéos par semaine. Voilà. Sur ce, on va lancer une partie. Donc on se retrouve contre un joueur premier Q. On a blanc forcément, on lui dit bonne partie. Hop. Désolé, à chaque fois vous avez le son du clavier parce qu'il est juste sous mon micro. Il joue Oshi en bas à droite, d'accord. On va jouer Oshi en haut à gauche, tout simplement. Oshi, et on va jouer un Komoku. Donc il fait un Senrensen, d'accord. On va approcher de ce côté. Et on va voir comment il réagit. Il nous pince. Donc ici, on a bien envie de prendre le coin. Souvent, je dis si une pierre... si par exemple, je fais un Shimari, moi, ici. J'aime bien dire que si je prends une aile, on ne peut pas laisser la deuxième aile également. Parce que ça fait le coin plus potentiellement les deux bords. Donc ici, sur un Oshi, on peut se dire un peu la même chose. Il est dans le coin. Il a une aile déjà de ce côté, si on prend le carré ici. Et là, il pince, donc il a une pierre sur l'autre aile. S'il prend le coin également, en fait, il prend un peu tout, on n'a rien. Donc souvent, quand il y a déjà une pierre en K4 et qu'il pince, j'aime vraiment venir directement dans le coin. Donc on prend ce coin. Il nous pousse, il veut faire un mur de ce côté. Très bien. Donc on relie nos pierres. Il vient, il essaie de dire, regarde, il y a une petite faiblesse en R5. Donc effectivement, et l'ancien Joseki, c'était de venir en S6 directement. Et là, il rajoute un coup en P7, et on disait que c'était, maintenant on dit ben, avec l'IA que c'est un peu trop fort pour noir. En plus il a déjà une pierre en K4, donc c'est un super développement. Maintenant blanc, il peut descendre tout simplement ici. Ça protège également la coupe. Il y va, mais la coupe ne marche pas. Il pousse. Voilà, on obtient le joseki normal, c'est seulement normalement il n'y a pas ce coup en R5. Donc c'est un peu bizarre d'avoir poussé. Normalement quand on pousse dans un Tobi ou un Kema, c'est pour couper. Donc là, il l'a pas fait. C'est un peu étrange. Par exemple, ici, je peux tout simplement m'en aller ou laisser. Parce que s'il capture cette pierre, on le force à capturer. Il capture, mais ça menace pas notre coin. Donc, il n'y a pas de problème. Peut-être qu'on a envie de sortir cette pierre ou alors de jouer ailleurs. Ça dépend. Est-ce qu'on veut créer un combat ou est-ce qu'on veut développer un coin? Je pense qu'on va développer un coin plutôt. Peut-être que j'aurais dû faire de l'autre côté parce que là il a le chicho. Il vient de ce côté, d'accord. On pourrait développer, donc là souvent avec les approches P16, souvent on va en P17, je disais la dernière fois, mais on peut également aller en Q14. Est-ce que c'est vraiment intéressant de développer de ce côté, sachant qu'il y a déjà un petit mur noir en face? Pas vraiment. Donc à priori c'est plus P17 ou une pince. La pince peut être intéressante également par rapport au petit développement que j'ai en face. Je pense qu'on va faire ça, on va pincer, pour changer un peu. Il recule, très bien. Dans ce cas, on va... On va développer de ce côté, j'imagine. Mais comment? Est-ce qu'on fait un Niken Tobi, un saut de 2? Ou est-ce qu'on saute de ce côté pour développer? Mais ça abîme beaucoup notre pierre. Je pense qu'il faut développer de ce côté, parce que s'il ferme vers là, il commence à avoir une case très importante. Donc il menace beaucoup. On va juste se développer solide. Soit ces deux pierres n'ont pas encore une base de vie, donc soit il va dans le coin, d'accord. On va résister, il recule, et on prend le coin.
Il a pas encore de base de vie, donc là il va attaquer ma pierre en M16 normalement. Et nous on essaye de jouer rapidement en sautant. Il force dedans directement, d'accord. C'est pas un souci pour nous. D'accord, il pouvait couper. Parce que s'il coupe de ce côté et qu'on capturait, il faisait contre-atari, on capture et il prenait la pierre et il était vivant. Ou alors il coupait de l'autre côté, on prenait la pierre, tac, et c'était un combat compliqué. Parce qu'il a le chichou. Donc s'il coupait de ce côté, peut-être qu'on protégeait plutôt, il prenait la pierre et on s'en allait. Donc c'était mieux de couper pour lui en L18 plutôt. Mais là il décide de plutôt prendre l'influence. C'est une bonne décision je pense, parce que il a une très grande force en face. Et il veut retirer tous les points d'invasion possibles. D'accord. Ça me motive grandement à faire tout de suite P8. Parce que à la fois, ça le forcera à jouer S7 rapidement. Parce qu'il aura pas de base de vie avec ses trois pierres pour le moment. Et pas avec celle-là non plus. Donc il voudra garantir déjà ça. S'il capture, cela dit, c'est goté. S'il part en S7 et qu'on pousse, il capture. Et nous, on peut rajouter encore un coup avec ces pierres-là. Donc il aura pas envie. Je pense qu'il aurait dû venir en P10 par exemple. Sortir. Il craignait pas grand-chose. Si on forçait et qu'on coupait, il pouvait capturer la pierre justement. Et il y a des problèmes pour les deux joueurs. Très bien. Dans ce cas, on va sortir. Par exemple, je peux sortir comme ça. S'il essaye de couper vraiment très fortement. Tac. Non, c'est peut-être un peu risqué. D'autre part, comment on pourrait faire ça? On peut tout simplement... Si on va ici et qu'il va à l'intérieur, tac, il peut couper. Une brute. Donc on ferait plutôt un Toby. Si on fait Kema de ce côté, c'est pareil, hein, il va nous couper brutalement. On va plutôt sauter comme ça. Menacer d'attaquer ce groupe. Et en même temps, s'il va le faire vivre comme ça, ça attaque vachement cette position. Il faut qu'il fasse attention ici. Donc il coupe. On coupe. On peut pas laisser connecter, sinon ça ne sert à rien de faire tous ces mouvements. Il sort. Très bien. Ouais, ça va être compliqué hein, de tuer ça, bien sûr. C'est pas l'objectif, forcément. Mais c'est utiliser ce groupe pour créer une force ici et rentrer plus facilement dans son territoire. Ici, on va sortir comme ça. C'est le point vital des trois pierres. Si on sort pas ici, il peut nous attaquer. Et il y aura le problème de la coupe. Et surtout, avec ce coup noir, ça enlèverait aussi des possibilités de faire des yeux, etc. Donc on va tout simplement s'appuyer ici, très bien. Ici, s'il joue en N11, c'est assez douloureux pour nous encore. Donc ce coup a l'air important. Ou ce coup-là. Peut-être qu'on peut jouer directement en M10, oui. Soit on joue en M10, soit on fait la petite combinaison... Au 12, il bloque, et ensuite on pousse ici, continue, il sera vivant ici, hein, il aura des points, mais on fait une force. J'ai envie de jouer un peu plus rapide, justement. Et si je touche, en fait, ça le renforce. Il vaut mieux ne pas toucher. Ou alors c'est lui qui nous touche, quoi. Il va ici, très bien. Est-ce qu'on peut couper? Tac, tac, il est coupé. Il nous fera atterrir là, il continuerait. En vrai, on aurait deux libertés, ça serait compliqué. Je pense pas que ce soit une bonne solution. Peut-être qu'on doit tout simplement continuer nous-mêmes. En soi, on a trois coins. Un quatrième est ouvert. On a pas mal de possibilités. Ah mince, je crois que c'est la farm où je meurs ça, non? Ouais je crois. Hein. Tac. Ah oui, depuis Q2 je suis mort. J'ai pas regardé du tout. R1, tac, et il va en T2. Oh.
Bon, normalement j'ai perdu cette partie. Et normalement s'il va en T2, je suis mort. Tant mieux pour moi. Mais bon, je vous montrerai ça à la fin. J'ai fait des bêtises. Hein. Hey, j'ai pas du tout regardé son Q. Ouais, c'était. En fait, c'est le Q. Le Q2 plus la capture de Pierre. Ça a anéantissé mon groupe en fait. Hein, j'ai pas bien joué cette séquence. Ouais. Ici, il a loupé quelque chose, hein, c'est vraiment dommage. Alors, comment il va réagir maintenant? Il a un groupe qui va vivre, qui est semi-instable. Moi, pareil, il développe beaucoup de points, d'accord? On va attaquer un petit peu ce groupe. Il a pas répondu. Il préfère développer des points, d'accord? On accepte. Développe tes points. Montre-nous. Hop. On s'appuie ici. On avance là. On protège un peu tous nos coupes. Et nous, ça nous fait des formes plutôt agréables. On voit directement que blanc a possiblement un œil là, probablement un deuxième ici. Donc là, on est à peu près vivant. Il avait pas, ah, il a pas besoin de répondre à ce coup, je pense. Mais tant mieux. Ici, s'il va en H11, c'est assez douloureux. Mais en soi, est-ce que c'est grave? Sur la forme, en fait, c'est douloureux. On recule et on fait notre œil. Mais en face, il peut pas faire tant que ça de potentiel. Donc on va peut-être soit aider ces quelques pierres. Par exemple, en jouant par là. Ou en jouant... Oui. Parce que là, s'il attaque de ce côté, ces pierres-là sont en danger. Donc, probablement qu'on doit aider... solidement. En même temps, ça attaque son groupe. Parce que sinon, si j'avais pas eu de groupe instable, clairement, j'aurais pu venir en F3, par exemple. Et là, ça aurait été très intéressant pour Noir. Il nous attaque... agressivement. Soit on fait année avec le risque qui nous coupe, tac, il sort. Nous on va ici. Donc il sort ses pierres, Atari. On ressort comme ça. Ah, c'est très risqué. Hein. Je pense pas qu'il puisse couper vraiment. Je pense que c'est. Ça serait trop agressif. Bon. On se prive pas, on lance le combat. Là, il s'enferme. Il s'enferme tout seul. S'il fait l'Atari, tac, mais c'est goté, parce qu'après, il faut bien capturer la pierre, parce que Atari, on répond. Et s'il répond par là ensuite, on peut revenir en H9, et ça capture la pierre, donc il y aurait quand même un œil. Donc il sort vers là, d'accord. On va s'en aller, tout simplement, ici. Faut pas qu'on touche trop de ce côté, sinon ça va abîmer cette formation. Normalement, il va vivre, hein, tranquillement. Ici, il y a de la place. Hein. Mais il se complique la vie, quoi. Et il va de ce côté, très bien. Donc nous, on va là. Et est-ce qu'il peut vraiment rentrer maintenant dans ça? Si, il peut rentrer en C17 pour faire un coup dans le coin. Mais ici, a priori, c'est plus très coupable. D'accord, il capture ici. C'est un bon coup. Et nous, on va partir. Il faut qu'on parte. Hop. Il peut capturer, on défend. C'est un peu Nuki, mais il est un peu abîmé, on peut direct faire Atari, donc ça va. Mais oui, il a une belle force quand même, mais on a pu enfermer. Et on peut encore soit s'en aller là, soit jouer par exemple N7, pour faire quand même un espace vital ici. C'est une base de vie.
Et attention, parce qu'ici, il a encore des petits problèmes. Si je monte Atari... Ouais. D'abord, on va s'occuper de ça, bien sûr. Alors, comment on fait ? On va déjà jouer les coups forçants par là. Et on va tout simplement prendre... Je sais pas, il y a peut-être des petites faiblesses par là, il faut regarder d'abord. Mais sinon, on jouera justement ce coup en N7 pour vivre. Et plus en parler. Mais s'il a après derrière le J7 et qu'on doit rajouter un coup, il fait une belle connexion. Donc j'aimerais bien, si c'est possible, couper. Mais c'est peut-être trop gourmand. Si on va là... Bien sûr, s'il va en G8, c'est super parce qu'on peut continuer et on déchire sa forme. Mais s'il va en G8, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on fait Atari, on sort. On va aller ici. Ça a l'air jouable quand même. On va tester sa réaction. Ok, il fait ça. Donc c'est jouable, mais on voit direct qu'il y a un pas d'éléphant. On a joué dans l'œil de l'éléphant. Donc il a une mauvaise forme ici, il a ses compagnons coupés. Il essaye de nous enfermer, mais là c'est peut-être un peu abusif, parce que effectivement ça nous fait courir. Mais attention, hein, ça c'est pas violent non plus. Et il joue des coups en 4ème, 5ème, donc on peut encore passer au-dessous. C'est compliqué, mais on peut encore, théoriquement. D'accord. Je savais pas quand est-ce que je pouvais jouer ce coup. Mais effectivement, il vit tranquille. En plus, il menace de pousser. On connecte, pousser. On connecte, mais il coupe. Atari, tac, tac. On peut faire Atari ici, on protège. Il vient là. Atari, tac, tac. Ça a l'air compliqué. Je crois que ça va pour moi. J'ai l'impression que ça passe, ça c'est bon pour blanc, mais on perdrait un peu nos possibilités d'œil et tout, donc... Parce que j'ai envie de jouer ce coup, forcément. Ça amène... il défend et on fait double année, comme il nous a fait ici. Donc c'est un très bon coup de venir là, localement. Mais... Noir, blanc, noir, blanc... Noir. Noir peut faire cet Atari tac, il a 3 libertés, il peut tenter de venir là, on coupe, Atari tac, il a 3 libertés, il vient là, on connecte, on a 3 libertés ici, il peut venir là, tac, ou c'est ici, tac, Atari. Il vient là. Et nous on a encore ses libertés, ça a l'air d'aller hein, j'ai l'impression. Si ma lecture ne me joue pas des tours, ça a l'air d'aller. On va voir ce que ça donne. J'essaie de mettre un peu ma souris sur l'emplacement où je lis parce que ben, vous voyez à quoi je réfléchis. Peut-être que vous vous dites mais pas du tout, ça passe pas. Bon par contre c'est la partie un peu particulière hein, parce que j'aurais dû mourir ici. Donc c'est pas fou. D'accord, il recule comme ça, il a peur. Là, il dit oh, regarde j'ai deux yeux, je suis vivant. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Dans ce cas-là, on va faire... On va rien faire par ici. On va l'inviter à couper peut-être une fois, un jour. S'il coupe, on pousse, on repousse, et on pourra connecter, on sera solide. Donc on va profiter du timing pour s'installer en bas. Parce que là, il y a trop de... C'est beaucoup trop gros, ça. Donc il faut s'installer, d'une manière ou d'une autre. Et je sais pas comment. Est-ce que je fais le Sansan, mais en même temps, il pousse là, il prend tout. Est-ce que je fais D3 pour avoir un Sansan amélioré, parce qu'il y a des chances qu'il joue en E3, il me pousse vers là. Il protège, finalement on s'en va. Et à la place du Sensan, on a du blanc jusqu'à D3, donc c'est un peu mieux. Hein. Ou alors, est-ce que je viens en K3? Et on a l'impression qu'il y a la place, hein. C'était Gema un peu partout, voire au Gema. C'est pas très solide, donc moi j'ai l'impression qu'il y a la place de faire quelque chose. Dites-moi si c'est trop gourmand ou pas. Hein. Ou si vous auriez joué la même chose, depuis longtemps même.
Alors. Tac. Et ici, en vrai, soit je fais ça si je pense que la base de vie, ça va de tranquille. Soit je fais ce genre de coup. Parce que, vraiment, oui, les pierres noires, il y en a pas mal, mais aucune ne sont connectées vraiment ici. Enfin, elles sont pas du tout connectées même, en fait. Si on va là, on va créer des problèmes. Ça n'a pas l'air facile non plus pour Noir. Hein. C'est bien 25 minutes, on a quand même un peu plus de temps. C'est assez agréable. Là, j'aurais déjà été en stress dans mon biomi comme la dernière partie. Ouais, pas évident pour lui. Il fait Atari de ce côté, d'accord. Ouais. Qu'est-ce que ça donne cet Atari? Il répond, je fais Atari de ce côté. Il répond. On peut monter, bien sûr, il a Atari, tac. Compliqué. Ou alors on fait Atari de ce côté, il a le double Atari, certes. Mais s'il le fait, on répond là. Il capture de l'autre côté, on vient là. Il protège et on s'en va. Pas évident. Hein. Pour blanc comme pour noir. Blanc, noir, blanc, noir. Si je monte, il fait Atari. On répond. Il descend et le problème, c'est qu'on a déjà renforcé, donc noir est bien connecté là. Nos trois pierres, elles n'ont pas beaucoup d'endroits où s'enfuir. Pour refaire Atari. Bah non, il descend lui-même. Calculer. Il faut calculer blanc, noir, blanc, noir. Si blanc continue en haut, noir fait Atari et descend. En fait, je peux faire Atari sur ces deux pierres aussi. Il monte, mais il a trois libertés. On va ici et lui il nous met Atari. Donc on est obligé d'abord de rajouter un coup là. Il va ici, on va là. On va ici. Ouais, compliqué. Donc l'impression qu'on est obligé de jouer là. Mais ça n'a pas l'air fameux. Très bien. Et là, il est obligé de capturer ou de connecter ici. Ouais. Tac. On fait Atari de ce côté. Et on s'en va. Tant qu'on vit, même si on donne pas mal, effectivement, hein, mais tant qu'on vit ici, on est tranquille. Est-ce que ça change la situation ici? Noir, blanc, noir, blanc, blanc, blanc. Il y a encore deux libertés ici, donc quand il coupe, tac. Ça a l'air d'aller, je crois, non? Peut-être pas. Peut-être que j'ai un peu trop renforcé ici le noir. Donc s'il va ici, tac. Et qui continue, on est obligé de reculer en obi, il continue, on recule en obi, il continue. Et on connecte tout ça, tac. Et ça a l'air d'aller, on fera aucun point ici, mais ça a l'air d'aller. Donc il joue très agressif. Ok. Il veut pas nous laisser vivre. On va pousser. Menacer de sortir. Menacer de capturer cette pierre. Et on... On va connecter tout ça. Tout simplement. Hein. Il joue ici, d'accord. On vient là. Et
si on connaît la clé de groupe, c'est parfait en fait. Il n'y a plus aucun problème. Il coupe ici, d'accord. Est-ce que les groupes sont bien connectés? S'il joue là, on fait ça, il va là. On va ici, oui c'est bien connecté. Et s'il va là, pousse là, tac, on pousse ici. Ça a l'air d'aller. Donc ici, on va utiliser cette pierre pour se développer sur ce bord. Ouais, on va faire ça. Avec la menace de un jour la sauver et attention, parce que ici ça pourrait être un faux œil si blanc rajoute un coup ici. Donc il reste, même s'il y a peu de chances que ça arrive, il reste un petit, une petite pression sur le groupe noir. Et ici, ce mur est surconcentré, du coup, il fait pas beaucoup de points par rapport à l'investissement. Donc, il est agressif, c'est logique. Hein. C'est logique, mais attention. Hein. Ça peut vite devenir la merde. On va faire ça. Là, on est prêt à sacrifier des pierres. On est prêt à sacrifier ou du territoire. Parce que en face, il a un groupe qui n'est pas encore 100% vivant. Donc, attention à lui. On coupe, bien sûr. Crosscut, on a une pierre en plus, donc aucune raison qu'on ne coupe pas. Il va ici, d'accord. Et là, très bien. Et si on va là. S'il coupe ici, on va ici. Il recule là. On va là, mais il recule ici et on se fait capturer. Donc c'est pas très intelligent. Si on fait l'Atari là. Tac, il descend. On capture. Mais il peut faire contre-Atari. Et nous on va... Ici. C'est compliqué. C'est pas facile de savoir ce qu'il faut faire. Je sais pas, faut réfléchir un petit peu. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires là s'il y en a qui ont regardé jusqu'ici. Quand il y a des moments où je réfléchis comme ça, est-ce que vous voulez que je coupe et qu'on coupe le passage et que ça soit juste quand je parle et quand je joue ou c'est pas grave parce que vous aussi vous réfléchissez sur la partie. N'hésitez pas à me dire. Hein. Je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui regarde jusqu'à 30 minutes. Dans les stats, il y a marqué que non, la moyenne c'est plutôt 15-20 minutes dans mes vidéos. Mais il doit y avoir quelques-uns. Mais... Merci à vous d'ailleurs. Ouais. Tac, il descend. Si je descends encore, en fait, il capture les pierres. On peut connecter par-dessous, hein, mais bon. Moche. Si on capture la pierre maintenant. Je peux capturer celle-ci, on capture. C'est vraiment pas très beau. C'est vraiment pas très beau. En fait, pour connecter, on fait plutôt ça. Tac, il va là et on connecte. Il capture ça. Mais en soi, on a fait pas mal de points. Hein. En vrai, tac, il va là, je connecte. Là, il est grand temps pour lui de venir capturer ses pierres. Et ensuite, on peut glisser au-dessous ou garantir un coup par ici pour justement protéger toutes ses coupes. Ça, ça peut être intéressant. Ça fait quelques points. Et en plus, ça protège quand même de quelques soucis. Et en soi, comme on est en avance, j'ai pas besoin de jouer compliqué, je sais pas pourquoi je réfléchis à 36 000, ça je le fais souvent dans mes parties. Je réfléchis à 36 000 possibilités alors qu'il n'y a pas besoin, c'est on est bien. Pas de soucis. Tac, on connecte, il est goûté, parce que nous on récupère la pierre sinon. Ah non, on récupère pas la pierre, j'ai rien dit. Donc il est pas goûté, mais il faut défendre quand même un peu son territoire. D'accord, il joue là. Ça c'est un peu dommage. Parce qu'il va peut-être enlever sa possibilité de faire un coup dans le coin pour vivre. Attention, est-ce qu'il n'y a pas un coup? S'il joue ça, on va là. Non, s'il joue ça, tac tac. Ça a l'air d'aller. Il va jouer là. Et nous, on doit défendre toutes ses coupes. Alors...
J'imagine un coup par ici. Bien sûr, il peut jouer au milieu, on devrait peut-être sacrifier deux pierres. En vrai, si ça enlève la possibilité du coup et qu'on fait tout ça en point, c'est juste immense en fait. S'il pousse là, on recule. Ouais, on va sacrifier une pierre. S'il pousse de ce côté, on connecte, donc c'est pas bon. S'il pousse de ce côté, on va là. Et encore, il faudra rajouter un coup s'il veut vraiment prendre cette pierre. Donc ça serait... C'est pas très intelligent de faire ça, il vaut mieux qu'il aille par ici. Défendre une grosse zone de territoire qui est intéressante. Ou alors pousser pour détruire un peu les formations. C'est vraiment les coups intéressants, je pense, pour Noir. Ou descendre ici. Ça rajoute de la G pour Noir. Mais cette pierre est pas très importante. Alors, ce qui est le plus important pour Blanc, bien sûr, ça c'est un très gros coup, hein, c'est très attirant. Mais comme on disait, il pousse là, tac, il pousse là. On est obligé de continuer en lobby parce que je crois que maintenant, là, protéger comme ça, ça marche plus trop à cause de ces pierres. Pourquoi protéger? Maintenant, s'il pousse, tac, tac, et il pousse ici, on va là, et c'est protégé par une gueule de tigre, il peut plus couper. Voilà, ça c'est résolu. C'est safe. Il reste quand même le L2. L2, en fait, ça fait quoi? C'est si j'y réponds pas, il peut pousser en H4. Et si on protège directement, il peut faire de la tari, on protège et il capture des trois pierres. Donc s'il va en L2, en fait, il faut protéger un coup en H4, justement, par exemple. Donc c'est santé. Je préfère aller là, d'accord. Est-ce que j'ai envie de défendre cette zone? Est-ce qu'il y a beaucoup de points à faire ici? S'il continue dedans, en soi, je suis tout connecté, hein, je fais un bambou ici, et effectivement, je ferai aucun point là. Mais ici, je peux en faire et en défaire en même temps. C'est quand même tentant. Hein. Je peux également pousser ici, pour enlever justement ce potentiel. Ça a l'air intéressant de pousser là d'abord. Je pense pas qu'il a envie que je glisse en... jusqu'en N3. S'il répond pas, je vais en N3. En fait, même s'il va en M2, je peux faire Atari, tac, et capturer. Donc, je peux aller jusqu'en N3, c'est intéressant. Donc il protège, il a pas envie de perdre les quelques points qu'il a, et même sa base de vie, en fait, tout ça, ça pas... Si je vais là, est-ce que c'est vivant? Normalement, oui, mais c'est... je pense pas qu'il a envie de poser la question. Et là, on va glisser par là. C'est gros, hein, de répondre ça, je pense, oui, c'est intéressant. Mais en vrai, s'il peut pas me couper et que je suis vivant avec tout ça... Et encore une fois... On va compter, il me reste 4 minutes, on va compter. Est-ce que j'ai besoin de jouer risqué, d'aller par là? Ok, il peut, là il va jouer sûrement C7 hein, si je protège. Mais imaginons, je joue ça et il joue C7. Combien ça fait de points chacun? C'est ce qu'on va compter. Sachant que j'ai 6,5. Hop, j'ai 0, maintenant on n'a pas le même niveau, donc j'ai 0,5 de commis. J'ai pas de commis, vraiment. On va compter ça. N'hésitez pas à vous entraîner à compter aussi. Ouais, j'ai à peu près 60 points, on va dire, grosso modo, hein, j'ai compté rapidement. Et lui, imaginons s'il a C7, hein, bien sûr. À peu près 55 ou un peu, moi je me comptais à peu près à tout petit peu plus de 60 et lui un petit peu moins de 60, donc on est bien, surtout qu'on aurait le santé, donc on aurait le santé, on pourrait quand même faire des petits coups par là. Ici je me suis pas vraiment compté de points et je vais compter cette pierre pour lui, donc j'ai été généreux, on va dire. Ici on pourrait faire quelques points en plus, on lui enlève un peu, mais ici il va nous enlever quand même pas mal, on va défendre de ce côté, je pense que c'est plus prudent. Ça aussi c'est bien, c'est les parties de 10 minutes, elles ne m'autorisent pas de... Je peux juste faire une estimation quoi, à l'œil nu, et... Fois c'est pas aussi évident, là c'est assez clair en soi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de territoire, c'est des grosses zones, donc c'est plus clair sur qui mène pas. Mais il y a plein de petits territoires, beaucoup de combats, c'est compliqué. Par contre, ici...
Maintenant, s'il pousse là, il défait moins de points, tac. Et s'il repousse, on va là. Il peut rien de capturer en soi. Bah maintenant, c'est peut-être quand même plus gros d'aller par là. Hein. En vrai, je pense. Ok, il va détruire un petit peu, mais avoir les deux, c'est quand même cool. Parce que là, j'ai ces points là-dessus, en fait. En fait, ce qui était important, c'est d'être sûr d'avoir un œil là pour pas qu'il y ait un drame qui arrive ici, en fait, tout simplement. Et plus de café. Hop, donc il pousse là, on va jouer solide. Effectivement, il va détruire les points ici. Pas l'impression que ce soit très grave. Il va pousser là, on va connecter. Ici, il y a un œil, en fait, c'est ça qui est important. Et ici, il y en a un. J'ose espérer. Il faut qu'il joue par là. Hein. Si je rajoute B5, c'est vraiment trop bien pour moi. Alors, c'est pour faire quoi ça? Tac, c'est pour pousser là. Et si je vais ici, il coupe. D'accord. Donc oui. Donc il m'enlève l'œil ici. Tac, il va là. Il va ici, je vais là, il va là. Dans ce cas, je rajoute un coup ici et je vais vivre. Ouais. Et si je vais ici, il va là. Je vais ici, il y a double taille. Je réponds là. Capturer cette pierre, mais moi du coup je capture celle-ci. Skiff kiff finalement. Tac, tac. Je vais là. Ah non, il peut faire atari ici. Et là je vais là et capture. Donc non, il faut pas que je fasse ça. Il faut le laisser que prendre. Il faut le laisser percer l'œil et je prends le CNT et je joue avec tout ça. Ah mais non, il faut que je connecte ici. Oh, ouf, c'est dangereux. Mais je peux faire un œil là. Ça monte, ça descend. Je peux faire un œil ici. Donc s'il veut vraiment percer l'œil, c'est jusqu'à là. Et après, je prends. Ok. Je me suis fait une petite frayeur là. Aïe, aïe, aïe. Lui aussi, je pense qu'il avait pas vu jusque là. On a tous les deux fait l'idiot. Parce que lui, il s'attendait à pouvoir ajouter le coup en G2, j'imagine. Et dit, regarde, t'as peut-être qu'un œil. Et j'ai la possibilité ici. Si je joue G2, je réponds à H2, il connecte au-dessous, on fait Atari, il connecte en G1, on fait Atari en H1, il connecte en E1, et on a un œil sûr en G1, et un autre ici, ou alors par là. Enfin, notamment en tac, tac. Ouais, au lieu, à la place de cette pierre, j'imagine. Il joue de ce côté, très bien. Est-ce qu'il y a des faiblesses? Il veut me forcer à faire Atari pour se renforcer et après je dois connecter et il peut pousser et là j'ai des faiblesses. Donc on va juste connecter. Pas besoin de jouer compliqué. S'il coupe, on fait la connexion bambou. Bambou c'est deux nobou. 1, 2, 3, deux nobou. Deux nobi face à face. Donc H17, H16 et K17, K16. C'est une connexion bambou, c'est pour la solidité. Si l'adversaire joue un, on joue l'autre et inversement. Donc c'est incoupable. Comme un Kosumi en soi. Ici, il y a toujours des petits points à faire. Hein. Pour noir, c'est compliqué, c'est surtout menacé. Pour blanc, par contre, si je joue au 18, c'est intéressant. Ok, il vient enfin ici pour protéger les groupes. On va forcer. Il recule, d'accord, pour pouvoir nous empêcher de faire trop de points ici, mais cela dit, je peux quand même avancer du coup et empêcher des points également. Est-ce qu'il n'y a pas plus gros pour moi sur le territoire? Est-ce qu'il n'y a pas plus gros sur le Goban? Si je pousse ici, qui protège, je fais Atari, tac, et je monte.
Je vais déjà pousser. Je suis en bio, mais il faut que je fasse attention. Protéger par là. Si je protège par là, il peut quand même jouer ici. Oups, c'est pas grave, on irait là. Ouais, ce coup-là a l'air intéressant. Ça menace de connecter au-dessous et ça fait pas mal de points si on connecte au-dessous. Genre avec un coup en R19, ça semble suffisant. Il peut pas couper ça. Si je vais en R19, ok, voilà. Ok, il va capturer la pierre en CNT. Est-ce que ça vaut plus le coup de faire ça ou non? Autant faire ça. Il capture. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Je me demande quand même. Depuis tout à l'heure, je regarde un peu. Mais avec la coupe, puis on va là. Non, il y a trop d'espace. Il y a trop d'espace. On est trop gourmand. Par contre, ici... Tac, tac, tac. Non, il n'y a rien. Trop gourmand, trop gourmand. On est en avance, il n'y a pas besoin de... d'essayer de trop prendre. On va recompter d'ailleurs, vite fait. J'ai toujours à peu près 60. Et mon adversaire. Tu comptes une cinquantaine de points, non 55 on va dire à peu près avec les pierres capturées. Donc on est toujours en avance de 5 points à peu près. Donc c'est bien. On va perdre une période ici par contre. Je sais pas quoi je veux. Je ne sais pas quoi jouer. En vrai la connexion ici ça fait quelques points déjà. On a ce genre de coup, c'est un petit point. Un point c'est toujours bien. On a ça qui est tout à fait santé. Je pense à tuer mon coin. Bon, c'est intuable ça. Si je joue là, je joue ici, connecte dessous, Atari, tac, mais c'est hyper risqué parce que Atari, puis on capture. Donc il peut pas faire son coup en S15, même si c'est attirant. Je pense que c'est ça qui, ce qu'il disait, je pense à l'instant. En vrai, c'est très. Ouais. Faites ça. Non, ça mimerait notre groupe. Tac, tac, tac. Une menace de connexion ici. Ça fait un bambou, c'est bien. Oh, c'est pas si gros finalement. Oui. Ah, c'était pas si gros. Il a raison, c'est plus gros ce qu'il fait. On va connecter par là. Parce que ça menace d'aller là. Il va ici, ça menace d'aller là. Ça fait atterrir sur ces trois pierres. En même temps, ça menace de capturer les cinq pierres ont dû venir ici. Et on sera mi-aille pour soit il coupe et on fait un œil ici pour être sûr d'être bien vivant. Ou alors il empêche l'œil et on connecte. Donc ça, c'est mi-aille. Il n'y a pas de souci. Il connecte et voilà comme on dit on est tranquille. On va pousser là. Il va aller ici et on va aller en C13. Ah mais non, on peut aller tout de suite là. Oh merde, ça traîne depuis un moment. Je lisais depuis tout à l'heure le... Je pousse, il va ici, je vais en C13 et ça menace d'aller après en D13. Et s'il protège ses 4 pierres, ça met en atterri. Mais en fait non, depuis tout à l'heure je peux le faire directement. Je vais là. Oh, ça fait combien de temps que ça traîne ça? Oh là 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 là. Et lui non plus l'avait pas eu. Des fois quand on est dans une partie, on est happé par certaines choses et on voit pas.
On est parti, il a pas dit merci, zut. Je pense que ça l'a fait chier, ça. Et je pense que ça l'a fait chier, en fait, de pas réussir à tuer en bas à droite alors que c'est mort. Je comprends. Oui, ici. Donc on va revoir vite fait. Si vous avez apprécié la partie, n'hésitez pas à mettre j'aime à la vidéo. Je profite, je dis ça comme ça vite fait, juste avant le commentaire. Et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes non abonnées qui regardent jusqu'ici, mais s'il y en a, n'hésitez pas. Merci. Ouais, ça fait combien de temps que ça traîne, ça? On va regarder, hein, mais c'est ça, en fait, là, il protège. Je fais Atari, s'il protège. Toute cette formation est en Atari, on capture. Alors que moi, je disais, ouais, s'il y a ça, je peux forcer ça. Et c'est SNT au moins, parce que s'il répond ailleurs, tac. Et là, oui, il en a Atari de côté, il peut pas protéger, donc il capture ça. Non, j'ai même pas regardé le coup à côté, quoi. Complètement happé par d'autres situations, notamment tout ce qui se passe au centre. Et ça fait combien de temps que ça traîne, ce truc? Pas longtemps. Très longtemps. C'est gros, quoi, ça fait 8 points... Ouais, ça fait une dizaine de points, quoi. Donc c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Sachant que je disais que j'étais en avance de 5, bah oui, bah là ça fait 15 et c'est rattrapable pour lui. Enfin... Fin de l'histoire. On va regarder depuis le début. Hop. Vite fait. Donc là, la séquence classique. Normalement, il pousse pas, en fait. Hein. Il va ici, on fait ça. Ça ressemble hein, à ce qui s'est passé. On fait ça et... Soit il fait le hané, le nobi, pour faire continuer son mur. Soit effectivement, je crois qu'il peut faire ça. On fait l'Atari et on joue ailleurs, quoi. Donc ça revient un peu au même, hein. Sauf qu'il a pas poussé ici. Comme ça, c'est par exemple, si un jour il y a un coup, par exemple. Et ça, c'est une menace de coup. C'est intéressant. C'est dommage de pousser dedans. Ça apporte rien de plus, en fait. Sauf dans la partie où, quand blanc ignore plein de fois. Dans la partie... ici, quand il descend là, c'est un premier indice, et là il vient là, tac. Et là quand je joue ici, donc on va faire la petite situation là, tac tac tac, il est vivant. Noir joue ici, on vient là, noir vient ici, quand on défend, ce coup là tue. On l'a déjà vu cette situation, je crois, dans les objectifs 5 Enden, non? Je sais plus, dans une de ses vidéos, je crois. Dans la première ou deuxième, je sais plus trop, c'est vers là. Et en fait, je vous disais que le... Peu importe ce que répond blanc, ici, là, ou là, le point aveugle, c'est connecté ici. Si on répond là, tac, on peut faire deux yeux, hein, mais noir joue ici. On peut pas répondre là. Toute cette formation est en Atari. Donc on viendrait capturer, mais dans ce cas, grâce à T7, il fait Atari. On n'a qu'un seul ici. Ce qu'on doit protéger. S'il joue ici, donc il répond là. Pareil. Si on vient là pour faire deux yeux, un espace ici, un espace là, il peut venir ici parce qu'il a encore de liberté. Nous, on en a Atari, il peut tout capturer. Et s'il joue le dernier, il connecte ici. Pour faire deux yeux, soit on va là, mais dans ce cas, c'est la même séquence que le premier exemple. Soit on va ici, mais dans ce cas on a une forme en 3 avec déjà une pierre noire dedans, donc ça c'est mort, et en plus il peut venir ici, donc là il n'y a pas de... Donc c'est vraiment, j'étais mort. Aïe aïe aïe. Normalement là on a gagné une partie perdue. C'est catastrophique. Ouais, quand il a capturé la pierre, en fait je ne peux pas jouer cette séquence. Capture la pierre et je dois rajouter un coup. Et ensuite lui... Bah, il peut venir soit faire courir, s'il est agressif, soit s'installer tout simplement. Je pense que faire courir c'est pas mal, parce que ça le connecte un peu ces deux formations. Je pense que c'est pas dramatique pour blanc non plus, hein, mais oui. Là on a quand même fait on a joué avec le feu, hein, clairement. Attention, attention à ça. Hein. Donc on court, et ouais, et sans suspens ça, c'est horrible. Là, on montrerait avec l'IA, il serait fou. Elle serait folle. Attaque. On attaque. Ok, on attaque toute sa position. Les deux joueurs sont assez agressifs ici.
Et ici, du coup, ouais. À ce moment-là, quand j'hésite à jouer ce coup, en fait, ce que je disais, c'est... qu'est-ce qui se passe quand ça joue ça? Et là, je disais ça, on va voir si ma lecture, ça allait. Imaginons un Atari ici, il va là, on coupe, Atari, tac. Et là, je disais... Ah si, il y a ça. Ok. Donc ça marchait pas pour blanc. On aurait été obligé de faire Nobi ici, Nobi, Nobi, Nobi. Tac. 6 pouces là, ça va. Il n'y a pas grand chose. Mais il peut aller là. Il peut aller là. En fait, on n'a aucun œil quoi. Et après, quand il coupe. Bon. Compliqué quoi. Après, voilà, c'est risqué pour. C'est risqué pour noir aussi, parce que ici il a pas deux yeux. S'il essaie de faire son deuxième œil, Atari. Et bon, alors après oui, on a plus de liberté. Et lui, il a qu'un seul œil, nous zéro, ok, mais là, on a quand même beaucoup de liberté, donc il va se faire capturer. Ouais. Donc il pourrait faire ça, mais en vrai, on force dedans, on sort, et encore une fois, on a beaucoup de pierres blanches. Hein. Donc voilà, c'est compliqué. Et en plus, avec cette force, blanc, très rapidement trouver des yeux. Hein. Ici, on va sûrement en faire un. On peut tout simplement, si on décide d'aller par là, il y a plein de situations encore. Ça devrait aller, hein. C'est dur de tuer un dragon comme ça. Mais ouais. On a vraiment joué avec le feu en début de partie. Hein. On a eu la chance qu'il se foire un peu sur ses attaques. Quoi. Ouais, c'est vraiment la définition de gagner une partie perdue. Ok, là, pro, j'étais déjà connecté. Ils disent non, joue ailleurs, ça va, t'es tranquille. Ok. Ok, ok. Et est-ce qu'il y avait autre chose à voir? Je sais plus, il y avait pas un autre truc à voir après dans la partie? Ah, on l'a vu en fait, cette situation. Là, où il force ici. Non, c'est un peu plus tard. Tac, tac. Ouais, il force dans tout ça. Ici, ils me disent que je dois aller là, d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe s'il joue ici? Il se passe que je suis connecté là. Ah ouais, dans la partie, vous avez dû vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Moi, je parlais de ça pour... attention, je vais tout me faire capturer, j'ai plus d'œil et tout. Oui, mais au pire, voilà, il sort là. Et on peut menacer de prendre ces deux pierres, il sort. Et on fait notre séquence, en fait. On est... Oui, je me suis compliqué la tâche. Hein. Vraiment, quand on est dans une partie, on réfléchit à 36 000 trucs qui servent pas à grand-chose, finalement. Je me suis compliqué la tâche, là. Hein. En fait, je suis lion. Je fais ça, par exemple, et j'ai un œil vers là, j'ai un œil vers là. On n'en parle plus quoi, et j'ai même une possibilité d'œil ici. Ouais, je risque rien en fait. Je risque rien, je me suis vraiment fait peur tout seul. Hein. Tac, tac. Ouais, ici ça traîne. Là, il traîne déjà. Donc en fait, dès qu'il joue B6, la partie est finie avec ça. On protège, on fait ça, on capture. Et l'estimateur nous dit que blanc mène de 30 points. Ok. Donc ouais, c'était fini. Non, bon, moins. Je sais pas pourquoi, mais comment ça peut ne pas compter les points ici. C'est un peu particulier, mais bon. Voilà. Bon, je pense qu'on a vu l'essentiel. J'ai pas très bien joué. J'ai gagné malgré ça. Bon, tant mieux, hein, mais on prend toujours. Hein. Mais ouais, mon go est un peu moins propre ces dernières semaines, mais bon, il y a des périodes comme ça. Ça arrive. Je vous dis à très bientôt. La vidéo dure déjà assez longtemps, 55 minutes, désolé. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne, tout ça, tout ça. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut !